Remplis ta sainte volonté, Seigneur, dans nos vies, au puissant nom de ton Fils Jésus. Père, je te loue, Seigneur. Père, que je ne sois qu'un instrument, Seigneur, pour véhiculer ta pensée, Seigneur Dieu Père, à ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons ouvrir les Écritures dans le livre de la Genèse. Hein. Donc, Genèse 14, à partir du verset 17, 17 à 20. Donc, si quelqu'un a la page, je fais lecture pour tout le monde. Genèse 14, verset 17. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham. Non, c'est pas ça. Amen. Et comme ils sont revenus, Genèse 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. Non, 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 c'est pas ça. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Genèse 14, verset 17. Oui. Oui. Alors, et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kedon la Homère, et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était près du Dieu très haut. Encore 19? Oui, 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 jusqu'à 20. Ah, pardon. Et il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de Dieu. Voilà, donc ce passage nous montre la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Hein. Donc, oui. Il est reconnu dans toutes les religions. C'est quelqu'un qui était idolâtre. Donc voilà, il adorait, c'était un païen en fait. Donc il adorait plusieurs divinités. Et le Seigneur, dans son païenisme, s'est révélé à lui. Alléluia. Comme étant le Dieu unique, le véritable, le seul qui mérite la louange et l'adoration, en lui demandant, nous sommes là, Genèse 12, de sortir de cette terre-là, de ce pays, alléluia, et qu'il lui montrerait un autre pays, un autre endroit. Donc tout ce qu'avait Abraham avec des promesses, alléluia, de faire de lui le père d'une multitude des nations, qui le bénirait et que tout ce qui, toutes les nations seront bénies en lui, donc, et même il a assuré de sa protection, que tous ceux qui le maudiront seront maudits et tout ce qu'Abraham bénira sera béni. Chers frères, c'est nous hein, qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, on a du mal, hein. Je ne comprends pas. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de parchemin. Alléluia, il n'y avait pas de Bible. Ces gens-là n'avaient pas de Bible. Mais leur marche était dépendante de la voix. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu les conduisait. Et il a écouté cette voix. Il est sorti. Si Abraham, et nous connaissons sa fin, alléluia, il a eu beaucoup de bien. Il a transmis son héritage à son fils, notamment Isaac. Après, il y a eu Jacob, chef et soeur des 12 fils d'Israël. Donc, regardez, je ne sais pas, nous, la Bible aujourd'hui, nous, on a la Bible, comment l'apôtre Paul dit que le solide fondement a été posé et ses paroles qui nous servent de socle. Non seulement nous avons la Bible, c'est la pensée de Dieu qui est révélée à travers les écrits, et nous avons aussi le Saint-Esprit. Alléluia.
qui est en nous et sur nous. Alléluia. Eh bien, mais force mais de constater que on a tendance à sortir, en fait, à être complètement détourné, désorienté de la volonté et du plan que Dieu a pour nos vies, alors que les choses devaient être plus faciles pour nous, alléluia, eux qui n'avaient pas les Écritures. Parce que si nous entendons une voix qui nous dit quelque chose et que cette chose n'est pas en conformité avec les Écritures, nous devons reprouver, alléluia, nous devons refuser cette voix. En fait, on ne peut pas suivre, alléluia, même aujourd'hui, même si c'est un prophète, c'est un ange qui vient nous annoncer autre chose que ce qui est écrit dans les Écritures, mais qu'il soit anathème, chers frères et sœurs. On ne peut pas se soumettre à ce genre de choses sous prétexte que c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, c'est un prophète, c'est une prophétesse. Alléluia. Il faut que ce qu'ils disent ne nous éloigne pas des Écritures. Amen. Abraham est sorti, chers frères et sœurs. Alléluia. Il est sorti et Dieu nous demande de sortir. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas des sorties de l'Irak. Hein. Alléluia. Non, on va sortir de la vie de la chair. On va sortir de la vie de péché. On va sortir de la routine religieuse. Alléluia. Des habitudes religieuses. Alléluia. La vie avec Dieu, c'est une vie de renouvellement. Alléluia. C'est une vie de renouvellement, c'est une vie de transformation. On va de transformation de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis. L'expérience de la nouvelle naissance n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. C'est le commencement. Alléluia. C'est le commencement. C'est comme si tu prenais un ticket de train. Mais il faut que tu rentres dans le train. Alléluia. Voilà. Le train, c'est Jésus. Et il faut qu'on se laisse conduire, qu'on se laisse diriger. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Sinon, on ne rentrera jamais dans le repos du Seigneur. Alléluia. Il a fallu qu'il quitte la Babylone. Qui quitte l'idolâtrie, chers frères et sœurs, pour rentrer à Canaan. C'est la même chose si on ne quitte pas notre vie, si on ne quitte pas la corruption, si on ne quitte pas les habitudes religieuses, mais on sera un chrétien statique. Alléluia. Et nous ne vivons rien du tout. Alléluia. Nous ne vivons rien. On doit vivre, il y a des promesses qui sont individuelles. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans nos vies de manière individuelle. Alléluia. De manière personnelle, qui ne nous concerne que nous et Dieu. Alléluia. Il y a un plan de Dieu pour toi, pour ta vie. Alléluia. Oui, qui est contrairement au plan que Dieu a pour ma vie. Alléluia. Et il faut que tu rentres dans ce plan, que tu rentres dans le dessein que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Tu seras un homme heureux, une femme heureuse, une femme épanouie, un homme épanoui, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et les hommes peuvent nous sortir, les hommes peuvent nous sortir de la voie du Seigneur. Alléluia. Ils peuvent nous arrêter, ils peuvent nous freiner. Si on ne veille pas. Abraham est sorti, et donc il est sorti, il n'était pas seul, il était aussi avec son neveu Lot. Et donc il y a une guerre, il va livrer une guerre. C'était pour délivrer son neveu. Il sera victorieux de cette guerre. Il y avait une armée confédérée, cinq rois. Imaginez un peu comme nous sommes en France et il y a des armées dans le monde qui se coalisent, en fait. Tu vois, pour pouvoir avoir un ennemi commun. Et il filait seul avec, je pense, 300 hommes et une armée. Il manie cinq armées, à lutter avec cinq armées. Alléluia. Et il a été victorieux de ces armées. Pourquoi? Parce que le Dieu des armées, alléluia, était avec lui. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un homme de foi, alléluia. Il dépendait de Dieu. Alléluia. Il dépendait du Seigneur. Il vivait dans une dépendance totale. Et si Dieu est pour toi, qui sera? Je dis que toutes les armées du monde. Si on parle des armées, on ne voit pas seulement des armées physiques. Il y a des armées mystiques, alléluia. Il y a des sorciers qui ont des corps, des démons, hein, qui ont des légions, des démons, des mystiques, qui commandent, qui programment des démons pour des accidents, pour des meurtres, pour, je vous assure, il faut être avec le Seigneur. Si tu es avec le Seigneur, je dis que même si c'est le Satan qui se lève, je dis qu'il ne pourra rien. Et puis tu nous dis
que dans Ésaïe 59, verset 19, si l'on peut le lire, Ésaïe 59, verset 19. Non, les chrétiens qui ont peur des sorciers, c'est bizarre ça. Les chrétiens qui ont peur des sorciers, et pourtant là, l'Écriture nous dit que celui, petits enfants, vous les avez vaincus. 1 Jean 4, 4, car celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? Celui qui est dans le monde, c'est Satan. C'est le prince de ce siècle. Alléluia. C'est lui qui est dans le monde. Oui, Ésaïe 59, verset 19. Et on craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Car l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de Yahweh lèvera la bannière contre lui. Oui, l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous ne pourrez jamais empêcher Satan de s'attaquer à vous. Apocalypse 12, 17 nous dit qu'il fait la guerre aux saints. Et c'est qui, tous ceux qui ont garde le témoignage de Jésus, ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Quand tu décides de ranger ta vie, chers frères et sœurs, de mettre de l'ordre dans ta vie, le diable, Satan va se lever contre toi. Mais tu peux compter, Église du Seigneur, tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Il est dit que l'Esprit de Yahweh lèvera l'étendard. Ce n'est pas c'est pas une couverture pastoral qui va te protéger contre Satan. Ce n'est pas une dénomination qui te protégera contre Satan. Ce n'est pas un groupe qui te protégera contre Satan, chers frères et sœurs. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et tu dois composer. Tu dois composer chaque instant avec le Saint-Esprit. Il s'appelle avec le Paracletos, c'est le défenseur. C'est comme un avocat. Alléluia. Oui, c'est le défenseur. C'est lui qui te défend. Donc il faut être en... C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Donc il faut qu'on sorte de la souillure, hein, des pensées impures et tout ça. Nous devons nous laisser purifier. On est des enfants du Seigneur. Alléluia. Il y a une œuvre que Dieu a commencée en nous. Il nous a appelés comme il a appelé Abraham. On a entendu l'appel de Dieu. Peut-être à travers, je ne sais pas, ça peut être un film chrétien. Ou, je ne sais pas, un tract, quelqu'un nous a tendu un tract, où il nous a parlé de la parole du Seigneur. On a entendu l'appel du Seigneur, alléluia. Mais il faut qu'on réponde à cet appel, chers frères et sœurs, et qu'on suive, outre le fait de répondre, il faut suivre l'appel, alléluia. Abraham va mener cette guerre, alléluia, et il sera victorieux. Il aura un grand, va remporter un grand butin. Et l'Écriture nous dit qu'à son époque, il y avait un prêtre du nom de Melchisédek qui veut dire roi de Salem. Roi de Salem, Salem, ça veut dire paix. Ça veut dire paix, ça veut dire justice aussi. Il fit apporter du pain et du vin et il était sacrificateur du Très-Haut. Et il bénit. Et il le bénit et dit, béni soit Abraham de par le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna les dîmes du tout. Donc, dans Hébreux chapitre 7, le premier verset, il nous est dit que Melchisédek est grand, lui semblable au Fils de Dieu. Enfin, c'était un type de Christ. Alléluia. Et nous encore ici, Melchisédek n'est pas allé à Abraham pour essayer d'escroquer cet homme, le butin de guerre de cet homme. Il n'est pas allé à lui comme beaucoup de pasteurs se sont devenus des mendiants. Comme des mendiants, en train de dire, ben donne-moi cet argent si tu veux que je te bénisse, si tu veux être béni, si tu veux une prophétie. C'était un prêtre, alléluia. C'était un représentant de Dieu sur terre. Non, il n'est pas allé à Abraham comme un mendiant, les mains vides. Et Jésus n'est pas venu à nous les mains vides, alléluia. L'Écriture dit qu'il est allé à Abraham avec du pain et du vin. Et Jésus est venu, il dit quoi? Je suis le pain de vie, alléluia.
Je suis le pain de vie. Et il dit, celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc Abraham s'est abreuvé. Quand Abraham a bu, il a mangé, ça veut dire quand il a reçu le salut. C'est ça, c'est l'image du salut que nous avons en Christ et Jésus. Et on ne peut que faire quoi? On ne peut que rendre grâce. Il a adoré. Il a adoré ce souverain sacrificateur avec ses dents. Il lui donna la dîme de la dixième de son butin de l'air. Mais sachez que Abraham, quand il est sorti de la Mésopotamie, il est sorti avec des grands biens. Il avait des grands biens. Et ici, il donne la dîme ici. C'est la seule fois dans les Écritures qu'il donne la dîme. Il ne va pas reproduire ça en fait. Il ne reproduit ça à chaque période, ou je ne sais pas, mensuellement, annuellement. Non. Trimestriellement, non. Il a fait une seule fois. Et plus tard, nous voyons aussi, je crois, dans la Genèse 28, il y a Jacob qui va faire un vœu à Dieu. Si tu me gardes de mon voyage, si tu me bénis, ô Dieu, voilà, je te donnerai la dîme de tout. Pourquoi? Il évoque le problème de la dîme. Parce que, vous savez, les grands, Abraham était son grand-père. Et vous savez, les grands-parents aiment raconter leur histoire. Il a dû raconter cet épisode, de partager cet épisode de sa vie avec son petit-fils, Jacob. Et Jacob était influencé, alléluia. Et il a dit, voilà Seigneur, parce que tu as fait cela avec mon grand-père, voilà, si tu me bénis, si tu me fais ceci, je te donne. Aujourd'hui, on dit aux gens, donnez la dîme pour être béni. Des gens qui ne travaillent même pas. On te dit, si tu donnes 10%, tu ne travailles pas. Comment est-ce que tu vas trouver 10%? Tu es au chômage. On te dit que donne pour des.